Dans une vidéo qui nous a été envoyée, nous découvrons une histoire macabre et sordide, à peine croyable. Le cadavre d'un ancien collaborateur du dictateur Denis Sassou Nguesso, enterré au cimetière du centre-ville de Brazzaville, a étrangement disparu. Selon un proche parent de la famille qui a souhaité rester dans l'anonymat, il dit, lors d'une séance de prière, un religieux aurait fait une révélation à la famille du défunt que le cadavre de leur fils avait été soustrait de sa tombe à des fins de rituels de sorcellerie et de pratiques de nécromancie. C'est dans cet esprit que la famille s'est dirigée au cimetière du centre-ville de Brazzaville et a découvert l'horreur, couplée d'une vérité transcendantale. L'oncle du défunt, épris de colère, n'a pas hésité de pointer du doigt le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui fut autrefois le menteur de l'illustre disparu. L'empereur d'Oyo est connu pour ses pratiques occultes et de sorcellerie. Ça, c'est la magie. Ah, voilà, cimetière à la grâce. Beaucoup et qu'on ne boira jamais. On dirait que le cimetière de la grâce.